Bonjour, صباح الخير, de retour chez moi, de retour sur YouTube. شحال توحشتكم, vous pouvez pas imaginer. شحال توحشت ندير des vidéos. Et comme اليوم, c'est voilà, le premier jour après les vacances, bon, et sur Instagram, alhamdoulilah, كنت à Montréal chez mon frère pendant 3 semaines. Que توحشتكم وتوحشت نحكيلكم les vidéos. اليوم, ça sera sur le téléphone et ça sera super naturel. Vu que tu m'as d'allô demandé, oui, ta vie est parfaite. Oui, il y a vraiment les coulisses, etc. Je voulais justement vous dire que ma vie n'est pas parfaite. Celle qui se pose la question, est-ce que c'est fake? Est-ce que t'es heureuse comme tu prétends? Oui, ma vie n'est pas parfaite. Oui, je suis heureuse. Après, il y a une chose qui m'irrite. Et d'ailleurs, parmi les choses qui m'irritent, m'empêche d'être complètement heureuse, c'est le fait d'être loin de ma famille, d'être loin de mes origines, de ma culture. Je me dis, les Algériens, même tel bled, il n'y a pas. Donc, ça m'a fait trop plaisir d'être à Montréal avec ma famille. Voilà, donc on va commencer la journée, faire les cours, remettre gars les affaires, t'as les valises. Bon, on va pas se compliquer trop l'existence pour la décoration du lit parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ou je ne sais pas où là la welcome, mais. Et la semaine back to school parce que comme il fait très chaud, les enfants ils rentrent du site très tôt et du lot très tôt. Donc ils rentrent le 1er juin et là ils reprennent le 13 août qui est dans quelques jours. Donc une déco maria, bêche une chelou, je ressemble pour la rentrée. Mais sinon, de cas, je suis là parce que les amis, on a fait un café. Donc je vais débarrasser le main, t'as le petit déj et surtout nettoyer le frigo. Genre je passe juste un petit coup de chiffon le khalloulma que je l'avais nettoyé juste avant le départ. Et ça les courses qui j'ai home et que le frigo propre directement tout en dedans. Je prends mon petit déj, je réfléchis toujours au chani hantayeb et du coup il y a quelque chose à décongeler ou là. Je la sors fadak le moment de beau matin. Donc l'yoma nahamdero je pense du poulet, des pâtes au poulet. Donc on travaille le poulet pour qu'il se... Deuxième étape, rafraîchir la face de déterré les handi. Sinon, je peux mettre une pochette, je peux juste mettre la valise. So let's go! I want to get that done, please. How many you want? Je vais les commander now, please. C'est deux par étagère. Avec comme les crottes, comme les j'avais un problème dans mon dressing. À chaque fois, il trablait pour les dessous, etc. J'avais pas trouvé la bonne. Comment dirais-je, la bonne organisation, dimension. Donc Hadouma c'est chez Ikea, c'est ça? Bah tu me prendras, je sais pas, 2, 4, 6, 8. 8. Okay. Merci cher. I hear you breathe, but I can't see. If you're right here next to me, something's wrong. Un petit conseil pour les femmes haka âgées un petit peu comme moi, faites en sorte que dès le cloche vers le haut pour lifter un peu votre visage, genre mettre touche votre fard à joues ou là votre contouring, essayez toujours de le faire au maximum vers le haut. Donc là je prends vraiment plus facile le contour et puis je mets quand même mon fard à joues un peu plus haut que voilà bekré quoi. Le make-up of the day, j'ai juste mis un petit fard orangé, un petit contouring comme ça, hein, j'enlève un let's go pour s'habiller. À la tenue du jour, super décontractée pour la journée, donc mon jean préféré de chez Levi's, c'est de Krisha la Zip Troll, ballerine Steve Maiden, le léopard. Loin de là, voilà, c'est mon petit sac du chez Michael Kors, c'est un joli débarbe. Payé, je sais pas, 10$, un truc comme ça. Pour les bijoux, franchement, depuis que j'ai des drari, genre, ça me gêne de porter trop de bijoux, donc ça va être mes bagues normales et une montre, et that's it. Hey you! Voilà le hal, il est complètement merdique, et comme d'habitude, il s'est nommé toujours un arrière le khara, les trolls t'en. Ça
vais t'arrêter dans mon magasin préféré, Home Goods. On est venu exprès ici pour acheter les capsules Nespresso, mais apparemment je les trouve pas. En fait, le magasin il vend tout ce qui est décoration, tout ce qui est bouffe, etc. Et il vend en plus de ça à 50% moins cher. Mais on a le goût à le coconut water, même s'il est super bien pour la santé. Mais voilà, je supporte pas le charbohakek direct. Donc du coup, Shinder, c'est que je le prends et je le mets à mes smoothies et ça passe super bien. Sur Home Goods ou chez les Barque Macla, j'achète toujours de la vaisselle. Mais à nous, je les trouve super originaux. Et ici, au fait, ils me chient par un set de 4. Je sais qu'ils m'achètent pas ça. Et du coup, ils me chient les deux. Donc, ça fera pour 8 personnes. Là, je craque pour ces plateaux. Alors, ils sont séparés. Donc, on peut les faire séparément. Je trouve que la combinaison est super bien parce qu'un avec le Kbir Melfok ou le Sgher, il est un petit peu plus bas et du très joli haka présenté dans un buffet. Il est 1h46 et on n'a pas encore mangé. Les enfants d'Yaro Grav, on va faire une petite pause pour manger. Les enfants yaklou à le resto préféré de Tahom, c'est un buffet de pizza à volonté. Donc il y a salade, pizza, brownie, etc. À chaque fois qu'ils donnent des invités à des enfants, parce que c'est kids friendly, donc ils autorisent le brownie. Tu te sers tout seul? Voilà le buffet pour les pizzas, il y a de tout. Maintenant on prend la midi. En plus, l'avantage c'est que tu prends you make your own. Tu lui demandes et il te fait une comme tu veux. Nous on prend généralement Hadi la thin crust. Moi je prends épinard thin crust. Et sinon les enfants ils peuvent toujours Hadi à la cheese. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un kids friendly restaurant, Kmart des jeux. C'est le magasin à faire, il a du tout les US, c'est pareil, les prix c'est 50%. Zinab, je chauffe les petites baskets pour les enfants. Adam, il a flashé pour ses pumas. On a pris d'ailleurs des rouges pour un. Which one you want, Adam? The black one or the blue one? All black. All black? I like the blue one. Les US, mais je suis trop heureux de les magasins. À chaque fois, c'est beau des promos. Tu vois, comme Ralchero, des petites mules qui étaient, je crois, à 70 et 100 à 12 dollars. Ben oui, t'es obligé de les prendre. T'as pris là Batman, c'est encore ton anniversaire. Est-ce que papa il a dit oui? Oui. Papa il a dit oui ou pas? Mais dis-moi chérie, t'as... Non, non, papa il a dit non. Alors lui il est en train de chercher une boîte à pain. Il en a marre, je sais pas. Lui il veut celle-là, tout en bois. C'est beau, mais je sais pas ce que ça passe sur le plan de travail. Dilemme. Moi je. Celle-là c'est Italie. Italie. Celle-là, c'est le dilemme c'est que Anna, j'aime pas trop mettre. Ça c'est China, on prend pas. En plus c'est en métal. J'aime pas trop mettre sur le plan de travail. Je trouve ça la mimi. Bread. Or this one. Celle-là j'aime bien, mais pourquoi ils lui ont mis des trucs comme ça? Let's take this one. C'est simple, efficace, italien. Adam is a Spider-Man. Hello Spidey. How are you? Alors, update time, on est halfway through. On a les baskets pour les enfants, sac à dos pour les enfants. Qu'est-ce qui manque maintenant? La tenue. Il faut qu'on aille acheter la tenue. C'est qu'ils vont se demander les affaires scolaires qu'on fait. C'est que Naya, ils nous proposent un kit où qu'on peut acheter en ligne. J'ai préparé et tout. En ligne, genre, on choisit le kit pre-K pour Adam, le kit CP pour Enzo. Et là, c'est un outlet. L'outlet, il vend beaucoup de marques. Et vous l'aurez deviné, moi et mon mari, on se partage les tâches, même qu'il y a trop de jours. Là, je prends Adam, ou il prend généralement Enzo. Regarde, Enzo, il essaye. The Air Jordan. Oh my goodness, I like it. Challenge si Enzo fait ses lacets, on lui prend ses premières chaussures à lacets. Ok, good job. C'est pas mes premiers, c'est mes deuxièmes. C'est tes deuxièmes, mais bon. Tu portes celle avec le scratch. Pas sans petit bat dedans. Dans le trou. Passe comme ça. Laisse-le. C'est fini. Laisse-le. Tu l'as, ça y est. Oh, you did it. Show me. Show me stuff. You did it. Yeah, you did it. Good job. We're gonna buy them. Comme il est fier avec son sachet. Anna, elle adore les jeans boyfriend, mais quand les autres les portent, jamais m'a tajouné rohé faire. J'aimais bien le détail à l'avant, à l'arrière aussi. Et il y avait aussi Hada qui était clair. C'était une autre qualité de jeans. Alors, comme il pleut, nous sommes sous un truc à la fois. J'ai du bout la voiture. Ils sont là. Ah, mon dieu. My god.
on est là chez Target, on va faire les courses. Aussi, nous cherchons les gourdes pour les petits. De trouver Mario pour Adam, je les ai jamais vus. Hey, on a trouvé Super Mario pour Adam. Et toi, Anzo, tu veux quoi? Batman? Avengers. Avengers, yeah! Et pour la marinade, du citron, de la moutarde, un peu de thym, de thym, bien sûr, et un peu d'huile d'olive. On a mon poulet mariné dans ce beau frigo, les rahoui safar. Et voilà, le temps que je décharge tout, et après je range les affaires dans le frigo. Alors voilà les courses pour la semaine. Je préfère toujours les sachets maïs, enfin, toujours full coffre. Je préfère toujours prendre un sac isothermique pour mettre les trucs frais comme les œufs, etc. La première des choses que je débarrasse, bien sûr, c'est le frais. Là, je vous fais juste en gros ce que j'achète et généralement, c'est la même chose chaque semaine. Tortilla parce que je vais faire la pita, du drum rice, quinoa, des pâtes, des crackers et bien sûr des barres énergétiques pour moi et mon mari. Et tout ce qui est frais, je prends le lait, les jus, je les mets dans ce genre de bouteille. Ça optimise un petit peu l'espace, le frigo et c'est beaucoup plus beau. Lay you awake until the morning in an ocean so deep. Les fruits et légumes généralement huma la majorité tu as le produit donc il y aura toujours des greens pour ces comme tu as beaucoup plus de légumes verts à midi avec comme les knackles beaucoup de salade kale et épinards je les prends pour mes smoothies le matin les concombres durant la journée chablement belles concombres et des you give a little you give a little but you're giving me just what I need. Pour tout ce qui est magnos, chiche, oignons nouveaux, une de mes vidéos sur l'organisation de mon frigo. Vous allez voir comment je les conserve. Pareil pour les petites carottes. Pour tout ce qui est boîte de conserve, bien sûr, tomate à boîte, sauce tomate pour des pâtes, de maïs. Des boîtes de thon, ça nous fera toujours des protéines si on a envie de les mettre dans une salade. Des black beans, ça vous fera une bonne source de protéines. Vous les rajoutez sur votre salade ou bien juste comme accompagnement avec du riz ou quelque chose comme ça. Et des poires, je les tente juste parce que, voilà, des fois quand je fais mon smoothie, j'aime bien mettre des poires. Ça me fera un truc un peu sucré au lieu de rajouter du sucre. Et un petit bouillon de légumes. Et bien sûr, des nali yaourt, un yaourt pour moi. Comme les limotes, là, les parfaits granola avec des fruits. Et la plupart du temps, le parfait terrain des yaourts, granola, fraises, blueberry. Les courses bien rangées. Donc là, il est temps de chiner le machin rapide, vite fait, parce que voilà, on n'a pas trop le temps. On va faire pasta Alfredo avec une sauce fromage et du poulet. Très très facile à faire et c'est délicieux. Taco du beurre, un ardite du beurre non salé, au moins avec les fromages, on dirait une petite balance. Du fromage, alors on a un c'est un mélange de fromage, tu vois des louches béto, les fromages de bohom. Et puis, Hnaya, c'est de la mozzarella, chaka, la sauce qu'on suya malka, hakta, onctueuse. Du persil décoré à la fin, un jaune d'œuf. Crème, je prends pas de la crème fraîche, je prends une crème liquide. Et bien sûr, melh ou felfel lekhal. Faites en sorte qu'il dobouze bdata comme ma tchapoha de l'aura un petit peu à feu doux. Et tout, menzidou, chmendoka, d'aura d'abord dobouze bdata et après, menzidou tourne pour parfumer la sauce tannant. Et là, il faut émulsionner la crème avec le beurre et mettre l'eau hache. Dès que tu fais assez bon à tarder, nous le fromage. Maintenant, on peut rajouter les fromages. Et bien sûr, tu peux mettre le fromage qui est habito si vous êtes en diète. Là, déjà, de la mozza, c'est une mozza light. Une fois que d'ab le fromage va adapter bien la sauce, on peut faire un zido un jaune d'œuf pour que la pâte s'affiche à la sauce séparée à les pâtes. La sauce est prête, je la couvre à Kaya, je vais former une croûte par-dessus, le poulet est prêté, les pâtes sont prêtes aussi. Et monsieur, c'est pas blanc. Petite astuce, qui t'arrive le poulet tacom, la viande tacom, la poêle, jamais mettre ta dessus. Parce qu'on a en stripes, c'est plus facile pour les enfants à manger. Moi, je trouve aussi que c'est plus agréable. Khloulom en moins 5 minutes, vous aurez une viande un peu plus. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai coupé mon poulet hakda.
la sauce et puis un peu de persil par dessus. Cuisine est toute propre, mal marsoline, plan de travail nettoyé, plaque de cuisson nettoyée, au dos de mes les cocos. Right, guys. I love you too. I love you. I love you. Au secours! Lydia, où est-ce que tu es? Tu devais les être à débarrasser, à ranger. Pas envie de voir notre soir. C'est à faire ici qui traîne. Je connais qui maintenant les valises de l'aller. Genre, c'est nickel, propre. On prend une semaine à les préparer. Les valises du retour, tchouki. Douzaine. Bom, bom, bom. Khalsaya. Je range mes valises. Mais bon, année, je vous avais. Les valises de l'allée étaient beaucoup plus rangées. Pas grave, nous comme à peu près, parce que nous avons le contrôle de l'urine à les coulisses. On va découvrir. C'est la valise d'Enzo, je crois. Donc, Anna, qui fait que je roule les vêtements, je m'en accroche beaucoup d'espace. Par exemple, tous leurs t-shirts, je les roule comme ça. Pareil pour les shorts. Tout ce qui est affaire à Agda, je les mets dans ces petits bags. En pleurs dessous, les slips, etc. Anna, leurs chaussettes, Anna, le blirat. Ou Anna, justement, je prends toujours un sac, Maria Agda, pour mettre les affaires, les machines propres. C'est le gars, ouais, parce que j'étais chez mon frère. Par contre, les habits, la veille. Je les ai pas lavés. Pyjama ta sbah et tout. N'hina gano pyjama. Ou hattouhom hnaya. Donc dans un petit sachet hada. Donc c'est facile. Had sachet. N'hé directement haka. Et il part au lavage. Nous comme gars la tenue de chez Tal Enzo. Donc j'ai pris deux t-shirts. Il en a plein. Donc c'est le rêve de t-shirts juste pour les hadas d'Ida. La rentrée scolaire. Un Adidas. High figure rouge pour que ça aille avec ses baskets. Un short bleu marine. Puis les baskets Puma et les Jordan. Sac à dos Jordan. Bouteille Avenger. Il avait choisi les pumas, mais il avait choisi les noirs. C'est les mêmes que son frère. Le sac à dos, Bnalo Mario, et la bouteille aussi Mario. Et les tenues, on a plein de nouveaux shorts. Un short bleu marine, un pour la rentrée, un pour l'Aïd. On a fini la valise, les enfants. Il ne me reste que la valise d'Aïd. Donc, je vais la mettre dans le milieu. Au fur et à mesure, je vais la placer en place de l'Aïd. Vous imaginez, je n'ai même pas le temps de faire l'Aïd. C'est souvent ça, la vie d'une maman en cours dans tous les sens. J'ai hâte de finir tout ça pour reprendre mon quotidien avec ma routine comme d'habitude. Il y aura un petit changement parce que j'ai pris quelques kilos, j'ai pris le Canada, j'ai pris quelques kilos. J'ai pris 4,5 kg mais c'est pas ça le problème, c'est pas le chiffre qui me dérange, c'est que j'ai juste envie de muscler un peu. Donc si vous voulez suivre ce que j'ai fait, c'est quoi mon meal plan, etc. Suivez-moi sur Instagram parce que je suis très très active sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube, partagez-moi contenu. Je vous fais de gros bisous. Bonne nuit les chéris. Gros bisous.